Salut à tous, salut Goliant, on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Asterix Obelix XXL Remaster, c'est extrêmement long à dire encore une fois. On continue la Grèce, donc troisième level du jeu. On a bien entamé le level. Je sais pas trop où on en est par rapport à la fin, mais il sera sûrement plus court que le second qui était. Merci Obelix, qui était la Normandie. Après un épisode de la critique, hein, on a fini par un petit Asterix Demastered, ce qui n'est pas totalement faux, mais en vrai, ouais, c'était un petit peu peut-être bougon à la fin de l'épisode, mais il y a tellement de micro-hideries, comme on peut dire. On dit pas ça absolument pas, mais ceux qui connaissent Microïdes maintenant comprennent. Que du coup, bah voilà, ça fait que ben j'ai un peu. Oh, il avait un tuba! Il avait un tuba? Mais c'est une micro-hideserie. Micro-hideserie, c'est dur à dire. Ah, mais c'est par contre, ça c'est sympa. Fallait que je commence à critiquer pour voir un petit truc sympathique. Sauf si j'ai mal vu. Et donc, ouais, j'ai. Voilà. Le mot Demastered. Je sais que D-Mex se dit D-Master, je ne sais pas, je m'en fous. C'est bon, let's play après tout. Hein. Ah là là. Là, on va repartir sur de bonnes bases, sur le bon pied. On y va tranquille. Et je vais peut-être augmenter la difficulté. J'ai vu qu'on pouvait. Ben voilà, on pouvait changer la difficulté en cours de jeu. Enfin, j'ai vu. Oui, là j'ai fait attention parce que en soi c'était dans le menu pause donc pour toutes les fois où je suis dans le menu pause j'aurais pu remarquer avant. Et on va prendre tout de suite le bouclier. Il me semblait qu'on en avait plus de PV que ça à la fin de l'épisode précédent. Après, est-ce que quand on relance la partie. Il y avait rien d'autre? Est-ce que quand on relance la partie, tout revient à 3 PV? Question existentielle. Je sais pas, non, il faut continuer par là. Oh, on est dans un véritable open world. Plusieurs chemins possibles. On va aller là-bas. Hein. Bon, apparemment. Allez. C'est que là-bas, il y a une. Ah, petite musique sympa que j'aime bien. Écoutez ça. Franchement, c'est pas sympathique. Bon, Remastered, du coup, j'ai pas pu profiter. Je crois qu'on l'avait entendu dans l'épisode précédent. Obélix, si tu pouvais taper les Romains comme tu pouvais taper les Sanglis, ce serait cool. Voilà. Donc là, je l'ai mis en difficile. Qu'est-ce que ça a changé? Oula, les ennemis tapent plus rapidement. Ouais, effectivement. Là, c'est la vraie. Oula! C'est la vraie armée romaine. J'ai l'impression que. Qu'en fait, c'était juste pour un. Juste pour un. Un laurier. C'est tout? Ouais, vraiment, les bugs sonores, ils sont omniprésents, quoi. Peut-être un peu plus de PV, non? Ah, ok, nickel. Ah, bon, on va prendre le laurier, mais bon. Du coup, j'ai fait ça pour rien. Ah, ok, deuxième phase. Ouais, oh, ils font des petits bruits de chat. J'ai pas fait gaffe dans l'épisode précédent. J'étais vraiment sur le pessimisme, je crois, dans l'épisode précédent. J'ai pas fait gaffe. C'est pas mal. Le mec, il y a un mec au studio, il s'est dit vas-y, ça va être rigolo, j'ai enregistré mon chat miauler, on va le mettre pour les tigres. Ah, c'est pas les tigres, c'est les lions. Ah, c'est trop bien. Ça, par contre, voilà. Merde. Par contre, j'ai vraiment du mal avec les combos. Ah, ça peut être plus dur là.
Par là, on peut pas. Ah si, bah si, on peut continuer. Bah alors. Tellement de. Ah bah non, on va revenir, je pense, dans la grande partie du niveau tout à l'heure. Oula! On se fait tirer dessus au passage. Ouh! XXXXX, pas faire la même erreur. Ouais, d'accord, c'est des menhirs en magma. C'est stylé, non? Dans le lore d'Astérix, c'est bien connu. Hein. Mais du coup, c'est des romans qui arrivent à l'infini ou. Est-ce qu'on va pouvoir avancer dans le scénar? Ah putain, ah ouais, là, en fait, ouais, c'est. Par contre, Obélix, évite de les pousser sur moi, s'il te plaît. On peut pas. Ouais. On va avancer. On verra bien ce qui se passe. Oh, il y a un piège là-bas. Si on les prend au bon moment, ils vont tomber. Ouais, ouais, ouais. Vu que j'y vais. Voilà, ils sont morts. Mais là, ils sont morts, je suis désolé. Hein. Parce qu'en bas, c'est des pics. Hein. La violence. Eux, ils attendent bien sagement. Est-ce qu'on peut. Ah merde! Bon. Ok. On va faire autrement. On va passer à patte plutôt que de sauter. Ok, maintenant on passe à Obélix. Mais il va y avoir des Romains sur la route. Non? Ok. Malin. Malin, malin. Il va manquer qui? Oh! Heureusement que Asterix ne revient pas. Enfin, ne revient pas. Merde. Je veux dire. Ah, comment ça s'appelle? La tyrolienne ne revient pas au point de départ, parce qu'à des moments, ça, il est possible que ça arrive. À certains passages du jeu. Elle est mort. Hop! C'est bon, là. Là, je sais pas, ça me rappelle un peu plus quand même le jeu de base, hein, niveau difficulté. C'est peut-être, pardon, une impression. Ah ok, ok. Ah. Est-ce que je suis tombé du bon côté? J'espère. Si ça suffit pour pouvoir passer. Ouf. J'ai eu chaud, hein. Voilà, un peu plus de défis là avec les Romains qui attaquent plus vite. Sinon c'est vrai que c'est un peu chiant, j'ai l'impression. Ensuite. Allez, tourne. Bah, et il défile ce qu'il se fout là. Bon, ok. Oh, cette démarche chaloupée. Ce petit footing. Ok, heureusement que j'avais vu parce que la caméra. Donc, je suis pas sûr qu'on ait assez de casques. On va peut-être acheter de la vie. Tant qu'à faire. À une prochaine fois. Il n'y avait pas un Romain. Il est là. Salaud. Elle est mort. Oh, aucun bruit. Il est mort sans un bruit. Oh, ils sont pas morts. Ah, il y en a un grand. Est-ce qu'on va. On se la joue discrétion à la Splinter Cell. Non, ça sert à rien. Oh, il y a un problème de texture, j'ai l'impression. Sur le grand, il y avait un problème de texture. Je crois. Alors, c'est juste l'effet du casque. Ou je sais pas. Oula! Obélix, qu'est-ce que tu fabriques? Alors. Par contre, ça consomme beaucoup de. Ah oui, 79! Ah merde! Oh non, on en a encore plein!
Putain. Eh, hey, c'est chaud. Mais Obélix, tu fous quoi? Viens m'aider! S'il te plaît, mec. Ah, merci. On va faire un maximum le combo top. J'ai l'impression de parler comme un pro du jeu, un pro de gaming. Oh, mais Obélix, il a poussé sur moi, sérieux. Et on va prendre de la life. Et j'avais pas genre de la vie supplémentaire à la base? Oh, eh, ça va être hardcore en fait. Hein. Oh, c'est bien les grands, c'est qu'ils ont. Quand on les fait tourner, il y a une plus longue portée. Alors. Obélix. Ouh, je vais mourir. Je suis pas loin de la mort. Ah, je suis mort. Bah écoutez, moi qui me plaigne de la difficulté. Par Tlatis, tu étais presque, et ça encore. Vous avez rien vu. Ah, après, le but, c'est quand même de finir assez vite. Là, on a toujours 100, hein. Ouais, ils attaquent plus longtemps. Enfin, ils prennent plus de temps à attaquer. Hein. C'est clair net. Bah putain, j'avais pas assommé. Alors. Bah, peu importe la hauteur de la barre de combo, en tous les cas on peut le faire. Ah, il veut. Oui. Merde, c'est X par A. On va le savoir. Ouf, j'ai eu chaud. Ah, ou alors. Bah non. Non, je vais dire une bêtise. Je vais dire l'attaque s'enclenche. Enfin, les menhirs sortent. Quand la barre de combo. Voilà. La barre de combo descend, mais non, pas du tout. Quand elle est complètement vide, pas du tout. Non, c'est vraiment quand on a assommé tout le monde. Ah, c'est vraiment craqué. Quand on aura le twister, là, franchement, il est pas mal aussi. Oh, la fessée. Mais je pense que normalement, il y a des pirates planqués quelque part. Pour le succès. Alors, il y en a encore quelques-uns. Que des grands. Tiens, Obélix. Obélix. Bon, ça devrait le faire. Ok. On va se heal un peu. On commence enfin à arriver dans les passages. Ah, ils sont là. Quand on parle des pirates, hein, on en voit le. J'allais dire non. Je vais pas finir la fin de. Pas dire la fin de cette expression que tout le monde connaît. Hein. On va pas tomber dans l'eau quand même. Ah. Et je crois qu'ici il doit y avoir un laurier ou un truc comme ça, on s'en fout. Peut-être dans l'eau. Quand on parle du pirate, faut être grand. Non, j'arrête. Qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Hop, voilà. Wow. Un peu de tunasse quand même. Mais non. Ok. Alors, on va laisser. Allez. Ah, ok, merde. La musique a dit merde.
Ah, mais je me souviens de ce petit passage-là. Il n'y a pas genre la statue de la liberté en forme de César, un truc comme ça. Si j'ai bonne mémoire. On va essayer de choper la... Merde. On va la jouer smart. Voilà. C'est même pas smart du tout, c'est juste... facile. Allez, on y va, c'est pas grave. Je crois qu'il faut monter. Pas un truc là? Si, hein. Pourquoi avoir des escaliers? Quand on a la technologie romaine. Hop, un HP. J'aime bien un petit passage comme ça. Ah, il me semblait que c'était genre la statue de la liberté en forme de César. Merde. Il y a autre chose? Ah oui, j'ai pas fait attention. Ah oui, c'est peut-être pas ici. Il me semble qu'elle dit... Ah bah, d'accord. Bon, un laurier. Qu'on ne peut pas... Ah si. Non. Bon, il y a un passage secret quelque part. Ah non, mais bah, c'est pas ici. On va prendre le laurier. Et pourquoi on a eu un x10? On veut pas... Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas ici. Bon, ça doit être dans un autre niveau. Peut-être le prochain. Je sais plus le prochain de quel c'est. On est au niveau 3. Oh bah si, c'est bon. Le 5, je vois lequel c'est, donc le 4, je sais. Donc, ça n'a servi à rien. Si? Ah, des vêtements. Encore une torche, j'aime bien la torche. Attendez, y a que ça, sérieux? Ah oui, non, oui, dans tous les cas, un peu de réflexion. Non mais sérieux, ils ont mis une torche pour ça. Une torche. Oh d'accord, oula! Alors je me souviens que sur le livret du jeu, c'était écrit. Non, sur la boîte du jeu, à l'époque c'était écrit genre plus 70 romains à l'écran et je suis même pas sûr qu'on voit une seule fois 70 romains à l'écran. Ah c'est. Ah, en fait ça va vite. C'est peut-être parce qu'on a mis le mode facile, anormal, lol. Lol. Easy. Mais quand la musique elle change du tout au tout, quoi. Ah. Je crois qu'on entend le Charus Debilus. Version 2. On est déjà à la fin? Ah, déjà. Non. Je crois... Ah non, si. Le Charus Debilum, cette fois. Je l'avais dit, hein. Waouh! La lave. El famoso lave. Et s'entretue, c'est trop bien. Ouais, zéro son des caisses qui explosent, quoi. Oui, la musique de la mort. Oh putain! Hé! Ah! Il m'a embroché! Je suis mort! C'était quoi ça? Oh non! Astérix grillé quoi! Il a fondu dans la lave! Oh non, j'ai que 3 HP du coup! Oh non! Oh la violence! Oh la violence! Oh c'est trop bien! Ah, c'est magique! Ah, la potion, elle est pas par contre. Hein. Ah non! Ah, c'était nul! Il s'est fait rouler dessus, quoi! J'arrêterai de juger le Charus Debilum. Là, c'est pas possible. Oh, il y a des vieux bruits, quoi! Pourquoi il y avait un bouton là? Ah! Et Obélix, il est mort, non? Oh! Ah non! Ah c'est stressant de fou! Voilà, et on part sur du gameplay quasi similaire.
Là, il n'y a pas de musique. Ah si. Touhou! Alors, attendre que la bombe explose, ouais, parce que... Mais c'est pas une musique de boss, ça. Ça, c'est musique de boss. Alors, en fait, il y a que ça à faire, non? Ah oui. Par contre, je crois qu'il y en a, il y en a un des chars qui est assez difficile. Peut-être pas le dernier. Il y en a un qui est quand même un peu plus emmerdant, hein, vraiment. Ouf, juste eu chaud. Bon, je mets le mode rétro, pardon, parce que sans musique c'est un peu la merde, quoi. C'est chiant. Oh, il défixe, il a fait un saut. Et voilà, c'est même pas une musique de boss, ça, what the fuck. Ah, on va attendre un peu. On va se prendre les dégâts. Ils mettent la musique chill pour le boss, ou alors c'est encore un bloc de son, comme on en a depuis le début du let's play en fait. Oh non, 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 non. Voilà, encore la crise d'Astérix. Il s'en remet pas de son bain de lave. Oh non, mais Astérix qui fond dans la lave des soupçons d'enfance, quoi. Ouais, attends, il... Ok. Ok. Obélix, cours! Pour ta vie! Allez, on va attendre qu'il finisse de tirer. Explosion! Oh la vitesse! Voilà, de la bonne techno là! Bonne techno à la Astérix comme on aime! Et voilà! Petite musique épique là, écoutez ça! Musique de victoire! Je préfère ça! Samba, le samba. Non! Bon, bah tant pis. Allez, on va sauver... J'allais dire une connerie, mais non. Non, 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 non. Vous ne saurez... Pourquoi mettre le bouton aussi, moi? Vous ne saurez jamais ce que je voulais dire. On va les mettre en HD. On veut voir ces personnages en HD. En tout cas, Obélix est le premier à courir. Forcément, quand on sait qui ont des livres. Il court vers Bonne Mine. Il va baisser... Non. Ah oh Rule 34, Falbala. Ah, ça change. Obélix en la bouche. À Genève, en Helvétie. Ah ouais. En se dépêchant, nous y serons dans 3 semaines. 3 semaines? Voilà le morceau de marbre que j'ai ramassé quand César a cassé sa carte. Voici le morceau de marbre que j'ai ramassé quand je vais exploser la carte sur la gueule. Oh, il est fixe. Des colonnes, ça ne vaut pas un menhir. Je crois que ça, c'est un... C'est une ref, ça. Hein. Je pense que c'est une ref à Astérix aux Jeux Olympiques. La BD. Ou peut-être dans le film live aussi, je sais pas. Je sais plus. Ah bah ok, l'Helvétie. Bah écoutez, bah on va peut-être s'arrêter là. Comme on fait... Enfin, j'ai sorti des épisodes un peu plus longs que d'habitude depuis... Je crois l'épisode 3. L'épisode 3 et 4. Et même... Bah, 3, 4 et 5, il me semble. Ils sont quand même assez longs. Oula, il se passe quoi? Ok, le jeu. Que se passe-t-il? Il y a de la musique. Alors, est-ce que le jeu a planté ou est-ce que c'est le chargement qui merdoit? Ah, c'est juste le chargement qui... Ok, hein, on a... Oh, une vie. On le saura ici. Ah, et je crois... Ah, peut-être... Ah, il est enlevé. Peut-être pas ici. Ah non, 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 non! Donc on fera l'Helvétie, on commencera l'Helvétie, ben, en un sens un peu ici. Des coquelicots. Et, Obélix, arrête. Arrête. Merci.
Et puis voilà, on va s'arrêter là, comme je disais, on a fait déjà quelques épisodes un peu longués, de plus de 3 quarts d'heure, donc ça me paraît beaucoup, on va s'arrêter ici, faire un épisode un peu plus court. J'espère que cet épisode vous aura plu, et le reste de la série aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à voir pardon, les épisodes de Lightstar, mais aussi à suivre Growing Game sur tous les réseaux qui sont en description. J'ai du mal à le dire. Ils sont disponibles en description. Et aussi, surtout sur Twitch. On est plus actif sur Twitch que... qu'ailleurs, en fait, j'ai l'impression. Peut-être même YouTube. Non, YouTube, on se débrouille pas mal avec Johan. Avec Lightstar. Bon, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour l'LBC sur Astérix et Obélix XXL Remaster, Dimaster, Remaster, Dimaster, Remaster. Alors, on s'arrête là. Des bisous. Tchuss.